Il m'en est encore arrivé une bien bonne. Ouais. Le nouveau du marketing, il a envoyé tout le plan de lancement de produit à un fournisseur par erreur. Heureusement que le mec s'en est aperçu, t'imagines s'il avait envoyé à un concurrent? Tu peux éviter ça avec le DLP. Le DL quoi? Data Loss Prevention, la prévention contre la fuite d'informations. Je vais t'expliquer ça. Il faut anticiper les situations à risque en définissant des règles automatiques de blocage et en chiffrant les contenus. Mais cela ne doit pas bloquer la productivité des utilisateurs. Grâce à Office 365 DLP, tu peux protéger tes messages instantanés, tes emails, tes fichiers, en appliquant des stratégies de protection qui s'appliqueront au contenu sensible. La sensibilité du contenu est détectée en temps réel. Ainsi, si un utilisateur tente de partager des informations confidentielles volontairement ou par erreur, il sera bloqué et informé du blocage. L'administrateur, de son côté, sera informé que le blocage a eu lieu. Si l'utilisateur avait fait une erreur, il est ainsi sensibilisé. S'il était malveillant, il ne pourra pas aller au bout de la fuite d'informations. Hey, c'est top ça! Avec ça, on va vraiment pouvoir se partager des informations tranquillement. Exactement.